Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser au modèle de clavier Corpea 700 version orientale. Comme toujours, on va tout d'abord donc présenter un petit peu le clavier et voir les spécifications techniques fournies par le fabricant. Nous allons voir tout cela après un instant. Nous allons ici laisser le clavier s'allumer. J'espère que vous voyez au niveau de l'écran tout ce qu'on pourrait voir au niveau du clavier. Alors voilà, ici dans cette vidéo, on va d'abord voir qu'il y a deux sortes de Corpea 700. Il y a la version occidentale et il y a la version orientale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version orientale, c'est celle-ci, coûte un peu plus cher que la version occidentale de 300 à 400 euros. Pourquoi le clavier coûte un petit peu plus cher que la version occidentale? Tout simplement parce que dans ce clavier, vous pouvez jouer les deux styles occidentaux et orientaux dans le clavier. Alors, on va prendre un petit peu les caractéristiques par rapport à ce que Korg communique, le fabricant. On a un clavier avec 61 touches, c'est-à-dire 5 octaves. Et ensuite, on a un système d'exploitation dessus, c'est un multitâche qu'on peut upgrader et qui permet donc de charger très rapidement la lecture. Ça, c'était au niveau du système. Au niveau du générateur sonore, donc on a un mode qui s'appelle le EDSX, donc voilà, expanding, filtre à résonance, égaliseur 3 bandes pour chaque son. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau du clavier. Maintenant, au niveau de la polyphonie, on a 128 voix, 128 oscillateurs. Ça, c'est au niveau de la polyphonie du clavier. Ici, on va s'intéresser un petit peu les effets qu'il y a au niveau du clavier. Donc, on a ici, au niveau des effets, donc on a ça au niveau des accompagnements des chansons. On a deux inserts d'effets, deux effets sur le master. On a 148 types au total. Au niveau son de clavier, on a un effet d'insert, deux effets master et 148 types. L'effet de mastering final, puisque dans ce clavier, on a aussi un effet de mastering très intéressant. On a un limiteur et un égaliseur général. On a aussi un processeur de voix, 5 effets avec 28 réglages d'usine, 64 mémoires utilisateurs, processeur guitare avec 3 effets, 45 réglages d'usine, 64 mémoires utilisateurs. Ici, on va donc aller sur les sons et les kits de batterie. On a au niveau des sons plus de 1700 sons d'usine incluant un piano stéréo multicouche avec les résonances de la table d'harmonique et de la pédale ensemble, des sons GM et XG, 106 kits de batterie. Je rappelle que GM, c'est le General MIDI et le XG, c'est le format Yamaha. Donc, c'est un format un peu plus poussé que le format standard MIDI. Au niveau utilisation, donc on a 512 sons avec 256 kits de batterie. On a des tirettes harmoniques, on a 9 tirettes, des percussions, des notes on-off, des bruits et effets de roue phonique qui est très intéressant. Et puis on a le DNC, le Diffinite Nuance Control. On a un naturel ambiance drum, un full son et un drum kit qu'on peut éditer. Maintenant, ça devient très intéressant. On a au niveau de l'échantillonnage, tout ce qu'on peut rentrer au niveau du clavier, on a une mémoire. Cette mémoire, elle est de 128 mégas compressée, ce qui vaut 256 mégas de données en linéaire. Au niveau charge, donc on peut éventuellement travailler avec des formats Korg, des formats WAV, AIFF et son front. On peut enregistrer en format Korg, WAV et AIFF. On a une édition qui est complète et on a aussi un time slice. Ça, c'est plus pour le mode sampling. Au niveau des styles, on a 370 styles d'usine qu'on peut configurer comme un petit peu comme on veut. On a des mémoires utilisateurs. On a 1150 mémoires à l'intérieur, y compris les banques utilisateurs et directes, avec 8 pistes chaque fois d'accompagnement, 4 jeux de clavier, 4 pads par style. On a aussi des paramètres de style, on a des paramètres son et pour l'arrangement aussi. On a pour chaque style en fait. Puis on a aussi un mode guitare avec deux NTT parallèles et fixes, notes de table de transposition. On peut aussi faire un enregistrement style, pattes avec enregistrement par pas, suivi d'une édition d'événements. On a un style créateur, donc on a aussi un convertisseur qui va permettre en fait de convertir le format MIDI son vers le style. Ça, c'est très intéressant. On a aussi au niveau des contrôles pour le style, on a trois intros, quatre variations, quatre fils, un break, trois finitions, synchro start, synchro stop, un tap tempo, un reset basse, un renversé, un autofill,
une basse manuelle et une mémoire pour mémoriser les accords. On a aussi un accompagnement muet, un dub mapping. On a des caisses claires, des grosses caisses style qui peuvent être configurées sur le clavier. Maintenant, au niveau du séquenceur, séquenceur d'accords, en fait, on a un enregistreur de séquences d'accords en mode lecture style. On a le séquenceur d'accords qui peut être enregistré dans les entrées style et le son book du clavier. On a une fonction édition pour supprimer, copier depuis des styles. On a un son book pour importer et exporter depuis des fichiers standard MIDI, c'est-à-dire des fichiers SMF. Au niveau clavier, set et librairie, on a des mémoires pour les paramètres de son du clavier. On a d'usine. Plus de 290 ensembles de claviers d'usine configurables librement. On a aussi des mémoires utilisateurs de 864 emplacements, y compris les banques utilisateurs, et direct ensemble du clavier spécial pour le My Setting, si vous voulez. Alors, un mode chaos, on va voir ça tout à l'heure lorsqu'on fera des tests avec le clavier. Donc le chaos, c'est en fait un effet qu'on peut appliquer au niveau du style. Donc on a un générateur d'effets pour le MIDI qui est automatisé. On a plus de 65 presets d'usine pour le mode chaos. En lecture de son, on a la prise en charge du MIDI, du karaoké, de l'MP3 plus parole. On peut aussi sélectionner divers paramètres, select start, le stop, le retour et avance rapide comme sur un magnétophone. On peut aussi avoir les paroles qui défilent avec les accords, peuvent être affichées au niveau de l'écran. Et alors, on a les marqueurs et des fonctions pour supprimer, modifier des loops et une fonction jukebox. Alors, au niveau du lecteur MP3, donc c'est un enregistreur à l'intérieur du corps PA700. C'est un enregistreur qui va permettre donc d'enregistrer les MP3, mais aussi de les lire. On peut aussi transposer l'MP3 à plus 6 et puis jusqu'à moins 5 en demi-ton, évidemment. Alors, on peut aussi charger le tempo à plus de 30%, ce qui est pratique. Et puis, on a aussi un vocal remover. On peut supprimer la voix d'un MP3. Enregistrement classique du MP3, incluant le style MIDI. On peut aussi donc enregistrer donc les sons du clavier, les pattes. Et grâce au microphone aussi, on peut enregistrer tout ça pour former un MP3. On peut aussi se mettre dans un mode guitare avec des effets et surtout avec l'effet chaos. On va partir maintenant au niveau du séquenceur. Le séquenceur, en fait, on a donc un quick record, c'est pour faire des backing séquences, pour travailler au plus vite. On a comme une sorte d'un multipiste puisqu'on est en MIDI, donc on peut enregistrer pas à pas. Alors le séquenceur complet est à 16 pistes et on peut lire jusqu'à 200 000 événements pour créer un SMF, c'est-à-dire un fichier standard MIDI. Alors, on a un songbook, c'est-à-dire c'est une base de données avec laquelle on peut mettre tous nos styles dans cette mémoire. Cette base de données musicale est entièrement programmable pour le MIDI, pour le karaoké et pour l'MP3. Et on peut faire des sélections automatiques. Alors, on a des entrées qu'on peut sélectionner sur le panneau. On a des options de filtrage et de tri qui vont faciliter la recherche aussi pour le style. Alors, au niveau compatibilité, faire très attention, le modèle série PA, on a les performances, les programmes, les sons d'entrée sont boucle, les pads, ils sont tous compatibles, série, modèle et style, avec la série PA professionnel arrangeur. Au niveau des pads, on a donc quatre pads assignables, plus un bouton stop. Ce sont les pads pour accompagner une rythmique. On peut assigner et on peut donc choisir le pad qu'on voudrait mettre avec le style. Donc on en a quatre, plus un stop pour stopper donc le pad. Alors, on a un contrôle global qui est donc un fade in, un fade out. Vous voyez, c'est quoi le fade? C'est quand le volume commence à monter tout doucement ou bien quand le volume commence à descendre tout doucement. Donc, c'est une fonction qu'on a sur le clavier via un bouton qui va permettre donc de faire le fade in, le fade out. Alors, on a évidemment une transposition au niveau du clavier pour transposer la gamme. Et puis, on a deux potentiomètres qu'on peut assigner, trois switches assignables qu'on voit ici sur la gauche. Et puis, on a un tempo avec lequel on peut contrôler la vitesse de la rythmique. On a un métronome qu'on peut mettre donc en on-off. Et puis, on a un speed pour diviser le clavier et enregistrer. Alors, sur ce clavier oriental, on a donc une gamme avec laquelle on peut assigner l'écart de ton. On a aussi quatre presets, c'est-à-dire ce sont des mémoires avec lesquelles on va mémoriser une gamme. Lorsque celle-ci est mise sur l'octave, on peut la mémoriser pour la rappeler par la suite. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
Alors, pour contrôler donc les entrées, on a la possibilité de mettre des pédales de sustain pour maintenir les notes. Alors, en fait, on a aussi d'autres pédales qui peuvent être optionnelles pour faire des switches. Ça, c'est très intéressant aussi, même pour les guitaristes. Donc, ça c'est très important. Alors, au niveau entrée audio, on a deux entrées audio. Donc, ici, je vois un petit peu qu'on a trois. En fait, si vous voulez, dans l'entrée audio, on peut la mettre soit en ligne, en micro, mais aussi en mode guitare. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, le système des haut-parleurs qui sont ici, en fait, on a 2 x 25 watts, ce qui est raisonnable pour entendre le son. Alors, connexion MIDI, évidemment, on a entrée-sortie MIDI, donc standard. On a aussi de l'USB du type A, du type B sur le clavier. Voilà. Alors maintenant, la mémoire de masse, c'est-à-dire la mémoire qui n'a rien à voir avec la mémoire RAM. La mémoire à l'intérieur, en fait, elle est de 960 mégaoctets de RAM, donc c'est-à-dire c'est la mémoire avec laquelle on peut donc enregistrer tous les styles à l'intérieur du clavier. Donc c'est une mémoire de quantité 900 mégaoctets de RAM. Alors on a la possibilité, contrairement à ce que j'entends, on a la possibilité sur le clavier PA700 oriental de mettre un disque dur externe. Ça peut toujours servir, mais qui n'est pas fourni avec le clavier. On peut aussi mettre une carte SD pour pouvoir aussi enregistrer dedans, qui n'est pas fourni avec le clavier. Donc c'est une carte SD qu'on peut mettre en option. Alors, au niveau de l'écran, on a un écran de 7 pouces qui est vraiment un écran qui est raisonnable. Et puis en sortie, on a des sorties vidéo comme par exemple vous voyez ici. Donc j'ai le téléviseur qui est connecté avec le clavier. Donc on a une possibilité de sortir en HDMI au niveau du clavier. Alors on a une horloge système qui permet de tout synchroniser. Et puis maintenant, on a au niveau consommation du clavier, donc on a 25 watts en utilisation normale, donc on est plus petit qu'à 0,3 watts en veille, donc c'est vraiment très peu. Alors le clavier pèse en dessous de 10 kilos, donc il n'est pas très lourd. Et puis on a d'autres options qu'on peut mettre, donc des pédales d'expression, de volume, des pédales de sustain, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on a beaucoup de possibilités au niveau accessoires pour les mettre en supplément pour le corps PA700 oriental. Alors donc le corps PA700 oriental, en fait, la différence qu'il y a avec un occidental, c'est que dans celui-ci, on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'on a, si on rentre par exemple, on va rentrer dans le mode style qu'on va regarder donc ici. Donc je sais pas si on le voit au niveau de l'écran. Et eh bien là on voit par exemple Factory, je sais pas si vous le voyez donc au niveau de l'écran. Et eh bien là-dedans on a des styles qui sont occidentaux au niveau du clavier, donc je vais les toucher ici. Donc on a par exemple des pages ici, on a 6 pages en fait avec des styles qui sont des styles occidentaux. Donc on peut passer ici par exemple je suis sur la page du style pop, et puis par exemple je peux aller en style balade. Donc j'ai chaque fois donc 8 styles là, ballroom, donc j'ai 8 styles, j'ai la dance, j'ai le rock, le country, le latin dance, le jazz, le movie et le show, le funk et le blues, et la world. Donc chaque fois on a des pages qui sont ici qu'on peut naviguer dedans. Ça c'est le mode style occidental. Alors on a aussi un mode local. Le mode local c'est le mode auquel on a la rythmique d'origine de ce clavier, parce que dans ce clavier en fait on a la musique du Moyen-Orient puisque c'est un clavier oriental. Et bien là-dedans on a chaque fois donc ces musiques gure qui a intégré donc les styles au niveau de la RAM. Et donc c'est normal qu'on trouve MG par exemple ici, MG2, MG3, et chaque fois donc on a 8 styles, par exemple le Saïdi, le Wahda, le Maksoum. Donc on a chaque fois des pages ici. C'est la même chose aussi pour le MG2, le MG3. Donc c'est vraiment des styles en local, c'est-à-dire qui sont dans une ROM, dans une mémoire, donc d'office d'usine. Donc le clavier est venu avec ces styles qu'on ne peut pas normalement effacer puisqu'ils sont dans une ROM. Alors maintenant, on a aussi un mode qu'on appelle, donc c'est le mode en fait utilisateur. Donc là-dedans vous voyez que j'ai donc ma configuration, donc avec de la musique raï et tout ça, ce sont ma rythmique qui est personnelle, qui est rentrée au niveau du clavier. Donc là on a donc les styles ici que je peux parcourir. On a par exemple la regada, et donc là je peux donc choisir un petit peu, donc c'est ma configuration personnelle. Et puis voilà, on a plusieurs pages ici, on a divers rythmiques, par exemple du shabi,
du Maroc ou de l'Algérie, et donc on a la possibilité de voir vraiment ce que j'ai au niveau du clavier. Alors on va sortir de ce mode-là, on va maintenant s'intéresser au mode, on va rentrer dans le menu. Dans le menu, alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors dans le menu, on peut trouver divers paramètres. On peut trouver par exemple ici un mode qui est le mixage, donc le tuning. Donc là, on a une page vraiment avec tous les paramètres qu'on peut configurer au niveau du corps PA700. Donc en passant par les volumes panoramiques, et puis on a des inserts pour les effets, et puis pour l'envoi des effets, par exemple, on le voit donc ici. Et puis on a une égalisation du gain, et puis on a un contrôle pour contrôler donc le gain, et puis on a un tuning pour, par exemple, jouer sur le tempérament en fait du style ou du son. Et bien là, on a tout ça se fait donc ici, on peut pitcher, on peut tout faire, on peut transposer, on peut détuner le son. Et bien là, on a tout ça pour donc la percussion, l'accompagnement, la basse, et voilà, on a tout ça ici. Donc, et pour les sons hyper 1, hyper 2, hyper 3, ce sont les sons qu'on peut donc travailler avec. Alors, je vais sortir un instant d'ici. Alors, au niveau du volume ici, on peut donc mixer donc les sons, par exemple ici on peut par exemple régler aussi le micro, mixer tous les sons qu'on a ici donc grâce à la molette ici, donc en touchant au niveau du clavier on peut donc mixer le son et vraiment ajuster vraiment toutes les sonorités possibles. Alors là, au niveau du clavier, donc comme on le voit donc ici, donc on a c'est une page qui va permettre, par exemple ici, de splitter le clavier, c'est-à-dire de diviser, donc pour avoir vraiment soit les accords d'un côté, soit les sons d'un côté, mais aussi on peut ajuster vraiment à la note, on peut diviser le clavier à la note qu'on aurait choisi. Par exemple ici, par défaut, il est sur C4, mais rien ne m'empêche de mettre, par exemple C dièse, par exemple 4, ou bien je peux aussi donc monter ou descendre au niveau de l'octave pour avoir vraiment une division un peu personnelle au niveau du clavier. Alors là, ça c'est vraiment le mode donc oriental, c'est cette fameuse octave qui est sur la gauche ici. Alors on peut assigner le quart de ton du ton de plusieurs manières. En fait, on a des boutons qui sont ici qu'on a assignés pour mettre par exemple le quart de ton. Si par exemple je touche un des trois boutons qui sont ici à la gauche, j'expliquerai plus tard ces boutons comment on les configure. Donc par exemple, moi j'ai choisi le bouton 1 pour assigner le quart de ton. Eh bien, je vais appuyer au niveau du bouton et puis je vais appuyer sur les touches auxquelles je vais par exemple mettre le quart de ton. Et bien vous voyez donc ici voilà, donc j'ai mis le quart de ton sur le mi et sur le la. Et bien on le voit bien à l'écran, par exemple ici avec ces points noirs, et bien j'ai choisi une gamme par exemple arabe, donc ici orientale, donc je peux jouer par exemple donc une gamme arabe. Alors au niveau sonorité, je peux déjà vous dire ce que ça donne. Alors voilà, ici c'est un son de piano. Et bien là, on le voit, par exemple, pour faire disparaître ces tempéraments sur les notes, et bien je peux cliquer sur l'écran et les enlever, mais je peux aussi appuyer sur le même bouton pour les enlever, par exemple comme ici. Alors je peux contrôler de diverses manières, soit j'utilise ce bouton, soit j'utilise aussi l'octave qui est ici pour par exemple enlever un seul bouton ou un deuxième bouton, soit je peux utiliser l'écran pour enlever donc le quart de ton, et puis je peux le mettre par exemple sur le la, je peux par exemple ici sur le sol. Donc voilà, je peux choisir n'importe où pour mettre le quart de ton sur la note que moi je veux, que j'ai définie. Alors ici, on va sortir de ce mode qui est le quart de ton. J'espère que vous avez bien compris que ce clavier donc possède donc une octave avec quatre mémoires qu'on peut assigner. Maintenant, il y a un autre mode, c'est un mode chaos. Donc c'est un mode avec lequel on peut ajouter donc des effets. On peut contrôler par exemple une rythmique pour la mettre moins fort, plus fort, pour rajouter des instruments. Et ça, c'est le mode chaos. Alors maintenant, on va sortir de là, on va rentrer ici. Alors là, on est dans le mode micro. Alors il faut savoir que dans ce clavier, donc on a la possibilité de rentrer à micro, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, donc on a une entrée pour guitare, donc une entrée ligne et une entrée pour micro, mais c'est toujours la même entrée, mais qu'on peut configurer en fonction de ce qu'on va rentrer au niveau du signal. Et bien là, on a la possibilité par exemple de mettre des effets, comme on le voit, FX1, FX2, donc ici, comme on voit par exemple que je sélectionne, et bien là, je vais pouvoir donc contrôler donc les effets pour le micro. Alors ici, c'est vrai que dans le menu, on était rentré dans le mixeur tuning, et puis il y a d'autres
possibilité aussi au niveau du clavier. Donc, on a la possibilité aussi de, par exemple, je ne sais pas, d'entrer dans le master ici. Donc là, on voit vraiment les effets qu'on peut vraiment appliquer ici. Et on peut, par exemple, naviguer au niveau des effets et choisir vraiment l'effet qu'on veut, par exemple, ici. Voilà, on peut choisir un effet pour l'appliquer, par exemple, au micro. Pourquoi pas? Donc ici... Donc voilà, ici, donc on est vraiment dans les effets. Puis on a pour le A, pour le B. Donc on a deux types d'effets qu'on peut, par exemple, mélanger. Alors, toujours dans le menu, là, on a le menu track. Donc ici, c'est vraiment qui est consacré donc, aux pistes. Donc là, on a un drum édition, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, éditer les percussions afin vraiment, par exemple, d'ajuster les volumes et apporter des effets pour chaque, par exemple, chaque percussion. Ça aussi, on peut contrôler l'égalisation, le gain, par exemple. Voilà, on peut, si vous voulez, pitcher ces instruments. Donc ça, c'est faisable. Et on a la même chose aussi pour les sons. Pour le son, bon, donc on peut appliquer une attaque, un decay, une release, et donc on peut appliquer aussi divers filtres ici, donc grâce à ce menu. Alors voilà, donc ici je ressors de ce menu. Donc là, dans le keyboard en somme, alors que ce qu'on a, on a ici donc la possibilité aussi donc d'enclencher des notes ici avec une certaine vélocité. Donc on peut contrôler ça grâce donc ici à ce menu qui est ici. Donc là, on voit vraiment l'ensemble par bloc. Donc là, on voit le range vélocité et puis là, le joystick pédale par exemple aussi. On peut ici tout assigner dans cette page. Alors, le mode ici, le mode switch, eh bien là, c'est là où je voulais vous montrer vraiment comment on peut donc assigner soit les pads, soit les switches. Par exemple, ici, on a sur le côté ici gauche, donc on ne le verra pas à l'écran, mais on a trois boutons. Ces trois boutons vont nous permettre vraiment de configurer. Par exemple, vous voyez que dans le premier, j'ai quart de ton, c'est-à-dire que quand j'appuie sur ce bouton-là, eh bien, je vais pouvoir donc assigner le quart de ton comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc ici, on a un menu qu'on peut dérouler. Par exemple, ici, voilà, on peut monter et on peut assigner tout ce qu'on veut. On a trois boutons pour assigner ce qu'on veut au niveau de ces boutons. On peut même le mettre sur off par exemple ici, eh bien il sera sur off ou bien on peut choisir donc le mettre sur style down ou up. Donc ici on peut accélérer, on peut mettre une basse, on peut mettre un synchro star. Voilà, donc ici on peut le remettre aussi sur le quart de ton, par exemple même sur vocal remover on peut le mettre aussi. On peut choisir donc le mettre sur global scale. Donc on a plusieurs possibilités donc pour assigner donc le quart de ton au niveau de ces boutons. Alors on a trois boutons, donc comme vous le voyez donc ici, on a le deuxième qui est là aussi, donc le deuxième bouton qui est là, et puis on a le troisième qui est ici, donc pour assigner vraiment tout ce qu'on veut au niveau du clavier. Alors voilà, alors le clavier ici, donc comme on l'a défini tout à l'heure, donc il y a des styles qui sont en interne, donc on peut appliquer le quart de ton, on peut jouer donc de l'occidental, on peut jouer de l'oriental au niveau du clavier. Alors maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau donc style, au niveau son, pour voir un petit peu comment le rendu de ce clavier sort. Donc voilà, on va se mettre dans le mode style, on va choisir par exemple en mode local et on va voir un petit peu au niveau de la rythmique et au niveau de la sonorité comment ça sort et on va aussi appliquer les quarts de ton pour pouvoir jouer aussi de la musique orientale. Par exemple, je vais choisir par exemple, on va se mettre sur le style Saïdi, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la variation, après on jouera. Là, je suis sur la variation 1. Je ne vais pas mettre trop fort pour qu'on puisse m'entendre. Variation 1, par exemple. Là, on va prendre surtout les intros. Donc, on va se mettre sur intro. Ça, c'est au niveau de l'intro. Là, je vais choisir la sonorité. Deuxième variation. Changement de sonorité.
troisième variation. Quatrième variation. On va mettre une fin. Donc voilà, donc ça c'est pour le style donc oriental. Donc ici on a plusieurs possibilités, on peut choisir aussi un autre style. Chaque fois on a quatre sonorités qui sont configurées d'origine pour les joueurs. Alors ici, c'est toujours des sons qui sont différents. Ici, on entend un petit peu le son. Alors, on va mettre une fin. Donc voilà, ça c'est un deuxième son en fait, donc aussi donc un style avec plusieurs sons. On peut également aussi choisir d'autres sonorités, mais ça ce sont les sons qui sont configurés donc au niveau oriental. Alors on a plusieurs styles ici oriental, on ne va pas tous les faire puisque la vidéo va durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça c'était un mode donc local, donc ce sont les styles qui sont d'origine dans le clavier. Donc on a diverses sonorités, donc ici en local on trouve vraiment des sons, par exemple comme ici on le voit à l'écran, donc on a des violons. Donc là on entend vraiment les sons. Là en fait ce qu'on a, on a encore d'autres sons. Donc ça c'est vraiment les sons d'origine. Alors maintenant, dans le mode style, on a la possibilité de rentrer ici. Par exemple, on a des styles, par exemple, pour la musique graille. Donc ici, on a des styles qui sont, si vous voulez, personnels. Donc on peut donc jouer donc avec et donc voir un petit peu le rendu des sons qui sont des sons utilisateurs. Donc ce sont des sons programmés et c'est une rythmique qui est programmée. Alors on va voir une fois ce que ça donne au niveau donc des styles programmables au niveau du clavier. J'espère que vous voyez ça au niveau de l'écran. Donc vous voyez le son. Ça, je suis à la variation 2. Voilà, ça c'est au niveau style. Par exemple, typiquement on peut trouver donc d'autres styles dans ce clavier qui sont programmés aussi et qu'on peut très bien jouer donc dessus. La sonorité, on peut la choisir. On peut aussi contrôler le volume du son. On peut faire des variation. Vous voyez donc le son de la guitare.
Donc voilà, ça c'était un style au niveau donc de la musique raï. Et puis on peut très bien trouver aussi d'autres styles plus familiarisés. Donc là, on a la possibilité de trouver vraiment des styles vraiment pour jouer du shabi. Donc voilà, classiquement comme donc voilà. On va ch chercher les variations. Deuxième variation. Troisième variation. Alors on va voir si, pour voir si on peut mettre des pads. Donc ça c'est une pad. Vous voyez donc je rajoute un petit peu des pads. Voilà, donc ça c'est un style donc shabi. Donc on a d'autres possibilités. On peut par exemple aussi jouer avec de la musique reggada. Donc ici on a vraiment le style reggada qui est dessus, donc avec plusieurs variations. On va voir si on peut mettre des pads. Donc là je rajoute une pad. Je rajoute un autre son. Là je suis vraiment dans la variation 1. Puis ça c'est la troisième variation. Et ça c'est la quatrième variation. Je peux supprimer les pads. Là je peux les mettre. Alors je rappelle donc ici, les pads ce sont donc des percussions ou des sons qui vont accompagner la rythmique. Par exemple ici, c'est un pad. C'est quatre pattes. Si par exemple je mets le rythme avec, voilà ce que ça donne. Je peux aussi naturellement donc enlever ces pattes pendant le morceau. C'est juste parce que ces pattes vont accompagner, vont donner un petit peu plus de punch à la rythmique. Par exemple, ça c'est la rythmique toute seule. Et bien là, je vais rajouter une patte. Vous entendez? Voilà, ça c'était en fait les pattes qui accompagnent donc la rythmique. Alors ici on a, comme je l'ai dit, donc plusieurs sons qui sont configurables avec le style. Donc là on peut très bien choisir un son qui est le premier son qui est ici qui correspond au numéro 1, mais on peut aussi mettre un deuxième son et puis un troisième son, un quatrième son. Donc on a quatre sons qu'on peut accompagner le style avec. Mais rien ne nous empêche, par exemple, d'aller dans la palette des sons ici et aller dans User et trouver un son qui est complémentaire par rapport au son là. Si par exemple les sons qui sont ici ne sont pas suffisants, eh bien on peut aller chercher les sons ici à droite dans la palette des sons qui sont ici, des sons qui sont, je rappelle, utilisateurs. Donc voilà, ici on peut par exemple chercher. Donc vous entendez la différence ici, je suis en ré, mais c'est un son retravaillé, un son programmé.
avec une note beaucoup plus ici plus aiguë. Alors ici on peut revenir au son d'origine. On a aussi d'autres sons. Vous voyez la différence? Donc ici on a un son de canon. C'est un son qui est retravaillé, donc ce n'est pas un son d'origine. Donc ici, on a la possibilité de naviguer, d'avoir... Donc vous voyez comme c'est nuancé. Donc c'est un son de canon, on peut en avoir plusieurs d'ailleurs. Plusieurs sons, on peut avoir un son de nez. Donc vous voyez, donc les sons sont vraiment très réalistes. On peut avoir un son de guitare. Donc un son de guitare ici. Eh bien, c'est la même chose. Donc, avec les styles, eh bien, on peut choisir donc le style qu'on veut ici très facilement. Donc, en naviguant dans l'écran. Et puis, ça, c'est la configuration qui est vraiment personnelle. Donc, en user, et donc ici, on peut donc choisir son style. Et voilà, on peut remplir tous ces mémoires qui sont ici. Ils sont vraiment dédiés pour le style utilisateur. Contrairement au style donc local, le style local, c'est vraiment le style de corps. C'est vraiment le style d'origine, mais ce sont les styles dits Moyen-Orient. Alors, donc ici, on trouve donc vraiment les trois donc users qui sont vraiment des styles du Moyen-Orient d'origine dans le clavier. Alors, le mode Factory, donc ici, c'est vraiment le style occidental qui est dans le clavier, donc on le voit ici. Eh bien, ça correspond aussi avec des sons qui sont vraiment aussi d'origine, qu'on peut trouver aussi ici dans la palette des sons, les sons qui sont d'origine avec les styles Factory, et puis en mode local, en mode style. Et puis il y a un autre mode auquel je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui dessus, c'est le mode direct aussi. On a la possibilité, par exemple, si on a une clé USB, eh bien, de la mettre et lire un style vraiment en direct. Ça, beaucoup ne savent pas, mais on peut faire ça sur le Core PA700. Alors, comme je l'ai dit, donc, sur le Core PA700, c'est un clavier arrangeur, donc on peut programmer une rythmique personnelle, comme toujours, donc voilà, la créer, la mettre dans une mémoire, et on peut jouer très bien avec. On peut aussi importer, grâce à une clé USB, par exemple, des styles provenance d'autres claviers, c'est possible, on peut mettre ça dans le clavier, donc Core PA700. Et puis, même chose aussi pour les sons, on peut importer donc les sons au niveau du clavier, donc voilà, on peut donc avoir tout ça complètement au niveau du clavier, on peut, c'est toujours des options en plus, qu'on pourrait donc jouer avec. Alors, le mode de séquenceur, donc c'est le mode séquenceur, donc ici je ne vais pas m'attarder trop non plus là-dessus. Le mode séquenceur, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on peut enregistrer donc pas à pas, c'est-à-dire que c'est le mode séquenceur, c'est vraiment un programme qui défile, qui enregistre, c'est pas de l'audio, ça va enregistrer vraiment tout ce qu'on joue sur le clavier en mode MIDI. Et bien là, on a aussi, c'est autre chose pour l'audio. Pour l'audio, c'est vraiment le lecteur MP3 qui est intégré au niveau du clavier. Celui-ci, on va enregistrer avec de l'audio. Donc c'est différent du mode séquenceur. Ce sont des séquences qu'on va enregistrer au niveau du séquenceur. Alors on a un mode sound. Donc le mode sound ici, en fait, va nous permettre en fait de sampler vraiment les sons. C'est-à-dire que le sampler, ça va en fait rapporter un plus. Par exemple, on est intéressé par un son qui provient d'un autre clavier, eh bien on va prendre un échantillon, on va l'échantillonner, on va échantillonner quelques notes de ce son, et eh bien après, pendant peut-être quelques secondes, et on a la possibilité de le rentrer au niveau du clavier et l'utiliser au niveau soit dans la rythmique, soit dans la sonorité. Ça peut être un saxophone, ça peut être un piano, ça peut être aussi une boucle de batterie, pourquoi pas. On peut grâce au sampling, le mode sampling ici, on peut donc par exemple ici, donc rentrer dans le mode sampling qui est là. En fait, là on a par exemple loop, on va avoir notre échantillon. Là c'est plus pour avoir l'information de l'échantillon, sa quantité de mémoire et tout ça, et ça c'est vraiment pour éditer donc l'échantillon. Donc là on est vraiment dans un mode
Donc, du sampling ici qu'on voit au niveau de l'écran. Et là, on a la possibilité donc de rentrer beaucoup d'échantillons au niveau du clavier pour les utiliser pour réaliser des styles ou des sons qui sont vraiment bien réalistes. Alors, voilà, on va sortir de ce mode. Eh bien là, on revient au mode normal, donc qui est Still Play, donc ici. Alors ici, on ne le voit pas au niveau de l'écran, mais on a quatre boutons. On a un Master Volume, c'est un volume général. On a une balance pour balancer le son soit à droite ou à gauche. Et puis on a deux boutons qui sont assignés, par exemple, pour mettre plus fort le son à droite ou à gauche, pour mixer, par exemple, le son. Vous voyez donc ici, on n'entend plus. Là, je le mets plus fort. Je choisis un autre son. Eh bien voilà, ça va me permettre vraiment de mixer le son ici à droite sur les trois octaves qui sont ici. Alors on a parcouru un petit peu donc le menu ici. Alors en mode lire ici, c'est vraiment pour un fichier MIDI, c'est vraiment pour mettre des paroles ici au niveau de l'écran. Donc on a la possibilité donc de mettre vraiment nos paroles ici, au niveau de cet écran. Donc comme ça, on est accompagné. Alors voilà, donc qu'est-ce que je peux encore montrer d'autre au niveau du clavier. Donc là, on avait vu un petit peu donc les pads, les variations au niveau de la rythmique, la sonorité, les quatre sons qui sont ici en façade, en dessous du clavier. Donc voilà, et puis on a un mode recherche ici pour chercher par exemple le style. Donc on tape par exemple le nom du style ici. Eh bien, grâce à rechercher ici, on peut trouver le style qu'on cherche, quoi. Alors voilà, donc on va sortir d'ici de ce mode. Ça, c'est vraiment le menu général du clavier. Donc par exemple, on peut soit avec la main donc ici ajuster le volume ici, les différents volumes ici, soit on peut par exemple sélectionner et puis utiliser la molette ici pour tourner et remonter le volume. C'est parfois beaucoup plus pratique. Et chaque fois donc on a le volume pour chaque élément. Alors là, c'est vraiment le mode donc keyboard, donc qui est ici, donc on le voit au niveau de l'écran. Ici, donc le volume, j'en ai parlé. Les pads ici, on a la possibilité aussi de choisir le pad qu'on veut mettre ici. Donc on a la possibilité de mettre quatre pads ici sur le clavier. Donc là, c'est vraiment un mode pour vraiment mettre le pad ici. Ça peut être le 1, par exemple ici, le 2 qui est là, ou le 3, ou le 4 ici, on peut choisir donc le pad. Et ici, ben, comme je l'ai dit, donc c'est pour vraiment splitter le clavier. Donc voilà, ici, moi, je suis en C4. Alors, il y a un autre mode, un mode qui s'appelle Média. Dans le mode Média, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, pour charger un set. Donc ici, ça va être Load, pour le sauver, pour le copier, pour l'effacer et pour le formater. Donc ici, et ici on a un mode utilité pour par exemple faire un backup ou pour rendre le clavier, pour réinitialiser le clavier par exemple en cas de gros problème, on peut utiliser cette fonction pour le restaurer, le remettre d'origine grâce à Factory Restore. Alors voilà, ça c'est vraiment au niveau. Donc là, on a aussi, lorsqu'on va mettre une clé USB, eh bien, on va venir dans ce menu-là, elle va s'afficher ici. On va pouvoir donc importer les sons et utiliser donc la clé USB. Donc voilà, comme ça c'était dans le mode global. Et je rappelle que dans le mode global, c'est tout ce qui est donc réglage. On peut donc régler tous les paramètres du clavier. Donc dans ce mode. Donc, qui est le mode global. Alors, dans le mode global, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a un contrôle général ici. On peut, par exemple, ici, au niveau de l'interface, on peut faire beaucoup de choses, régler l'heure. On peut, par exemple, assigner la date et tout ça. Donc, le mode global, en fait, il y a beaucoup de paramètres. Alors, je reviens donc au menu. Donc, ça, c'est le menu vraiment général ici. Donc, là pour sortir, et eh bien là je reviens vraiment au menu qui est le menu en fait général. Alors on va ici s'intéresser, donc il faut savoir que quand on joue une gamme, on peut la transposer. On peut monter. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dans l'écran, si j'appuie sur les deux boutons transpose, je reviens à zéro ici. Eh bien, lorsque je vais faire une transposition, eh bien, je vais monter. Donc, vous voyez, le zéro ici va changer. Eh bien, je vais appuyer là. Vous voyez, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, je peux donc presque non, je suis à 11, donc ici je monte en demi-ton, mais je peux aussi descendre. Donc là, je suis monté en dièse, et là, je peux donc descendre donc en bémol. Donc ici, toujours sur l'octave, et puis j'ai la même chose aussi pour, par exemple, pour l'octave. L'octave ici, je peux aussi monter d'une octave, descendre d'une octave. Voilà, donc au niveau donc assignation transpose et au niveau octave. Alors, quoi d'autre au niveau du clavier, à part de vous dire donc tout ce qui est en façade ici. Donc voilà, donc ça j'en ai parlé. Donc on a le clavier, le Corpay A700 qui peut être configuré pour être utilisé dans un studio d'enregistrement, par exemple, pour échanger de l'information avec un ordinateur via juste les connecteurs MIDI quelque part ici. On va connecter un câble et on va rentrer en communication avec un ordinateur pour pouvoir faire des enregistrements. Alors voilà, très agréable clavier. Le prix de ce clavier se situe entre 1350 et 1450 euros. Donc voilà, puisque c'est la version orientale. Alors je rappelle que ce modèle, c'est vraiment le modèle 2019 et donc il peut être mis à jour chez Cork. Donc dans le site, on peut donc l'upgrader, donc ainsi avoir vraiment la version 2020 de ce clavier. Donc à ma connaissance, donc il n'y a pas encore eu d'autres mises à jour par rapport à ce clavier. Alors c'est un très bon clavier. Donc il faut savoir aussi que quand on veut utiliser des styles, par exemple provenance des claviers qui sont leurs grands frères, par exemple de la série PA toujours, le PAX3, PAX4, eh bien, le clavier ne va pas tout de suite lire la rythmique. Il y a un convertisseur qui va permettre vraiment de convertir pour reconnaître le format du PA700 et afin de le lire. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de tout ce qui était nécessaire au niveau du clavier. Donc j'ai montré donc les différentes parties du clavier. Donc ici, grâce donc à l'écran, vous pouvez donc voir un petit peu les différents menus qu'on a parcourus tout à l'heure. Donc ici, voilà, donc là vous voyez donc pour le scale, on va encore rappeler une fois que pour le scale, donc voilà, on va à l'octave assigner donc le quart de ton, voilà ici. Et on peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le faire avec le bouton assignement, par exemple ici, mais il faut le configurer. Ou alors, il faut venir à l'écran ici, sélectionner et le mettre manuellement. Ça aussi, c'est une possibilité de mettre le quart de ton ici. Et puis, on peut l'enlever grâce à l'octave qui est ici. Alors voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport donc au clavier arrangeur Corpay A700 Oriental, comme toujours, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami, dans laquelle vous allez trouver des vidéos et notamment celle-ci sur la chaîne. Eh bien là, vous avez la possibilité de me poser des questions par rapport donc à l'arrangeur Corpay A700 Oriental. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc je vous dis à une prochaine vidéo.